J'irai pas jusqu'à dire que c'est du n'importe quoi. Moi, je compare Loser Revolution à une soirée que tu passes avec des potes qui se termine pas là où tu pensais la terminer. Mais qui reste très fun. Il y a des soirées où tu te dis, on va un petit coup, mais les gars, et puis. Une bière, mais pas plus. Une bière, mais pas plus. Et puis en fait, tu termines dans un train pour Amsterdam, et je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais t'as passé une bonne soirée. C'est un peu ça, Loser Revolution. C'est un projet que j'ai pitché à ma production de la Miserie il y a 6 ans. Le projet a pas mal évolué. Les réseaux sociaux, par exemple, se sont de plus en plus amplifiés dans la nouvelle version parce qu'on voulait faire un film qui était pas encore l'air du temps. J'ai eu le projet, la première chose que je me suis dit, c'est « Ah, on fait enfin des comédies pour mon métrage en musique. » C'est Thomas qui m'a appelé. Alors, les gens qui n'ont jamais vu Thomas au téléphone, c'est une boule d'énergie. Pendant 20 minutes, j'ai pas pu en placer une, mais j'ai compris. Comédie, tournage, réalisation, tournage. On se lance, on y va. Alors, c'est Losers, c'est Mehdi, Simon et Fred. Mais pour lancer une révolution, comme c'est trois clics qui sont absolument des bits en. Bah oui, ça. Tant que vous pouvez. Sont nuls en réseaux sociaux et ben, ils vont chercher des conseils pour devenir enfin un peu influenceur et faire que leur révolution trouve un moyen de communication. Et donc, pour ça, ils s'adressent à Henri, le petit frère de Simon, joué par Clément Manuel, interprété par. Forcément, les deux frères se détestent, sinon c'est pas drôle. Et puis c'est à partir de là que tout part complètement dans tous les sens. C'est là que ça devient un peu déjanté. Et c'est un film où la boucle est pour le coup vraiment bouclée. Ah, la boucle est vraiment bouclée. On part pas dans tous les sens, on part dans tous les sens, et quand ça part dans tous les sens, on revient quand même à la base. Ouais. Si vous voulez partir à la moitié du film, c'est très dommage parce que la fin. C'est vraiment con, ouais. Faites pas comme Moutaï. Pas parti, il a dormi. La limite pour moi. Enfin, pour moi, pour tout le monde, je pense, c'est quand c'était pas drôle. Si un truc était drôle, on le faisait. On s'est pas dit, oh là là, on est en 2020, on peut rien dire. C'est comme ça qu'en fait, quelque chose qui peut être drôle au début finit par. Et t'arrives à un truc un peu tiède, personne n'ose. Pour ratisser large. Voilà. Si vous tapez toujours sur le même coup, c'est risqué. Mais si vous ratissez large, en général, on tape sur tous les coups. Là, tout passe. Clairement, le jeu d'Apato à 200%, je crois, pour l'écriture. Comme pour la... C'est dingue comme ça, comment ces Américains se permettent. Il y a vraiment une limite qui n'est pas au même niveau que nous et ça rassurait souvent sur le moment de la tournée ou quand on devait aller chercher quelque chose d'un petit peu touchy, on disait non mais bah, c'est ça, c'est ça. Bah, le nombre de fun et de dick et de cunt qu'il y a dans les films américains ou anglais, tout le monde s'en fout. C'est accepté parce que c'est fait par des gens connus et sur le campagne. C'est un plaisir de travailler avec des belles parce qu'on se dit, mais il y a du talent ici, on ne l'exploite pas. Tout le monde veut toujours ramener des acteurs français ou d'ailleurs dans des films pour faire un peu pousser le truc. Et là, c'était génial de se dire, on ne prend que des gens de chez nous. Il y a tout le talent qui est ici, donc pourquoi on se casse la tête, aller choper à gauche et à droite. Puis en termes d'écriture aussi, hein, avec le Tibet, on se rend compte qu'au plus un film est ancré, une série est ancrée dans une identité, de plus ça fonctionne. Étonnamment, quoi. C'est vraiment du pur. Divertissement. Si vous voulez passer un chouette moment avec des potes ou tout seul, ou c'est sans prise de tête, c'est. Ouais, il faut y aller sans prise de tête, ouais. Surtout sans prise de tête.